if we had, you know, a monkey back there. Si on avait un singe avec nous sur scène, je serais obligé de le regarder. C'est la seule manière de bien jouer. Faut toujours être en contact du regard. J'indique le chemin et je permets aux autres de se diriger à travers la musique. Si quelqu'un se perd, il peut toujours me suivre. Je suis comme un chef d'orchestre. À 37 ans, Mike Patton est un surdoué. Forçat des studios, ce Tex-Avery hardcore fuit les étiquettes comme la peste. Hurleur pour les Dillinger Escape Plan, il se glisse dans la peau d'un human beatbox pour le dernier album de Björk. C'est la Patton Touch. Aussi à l'aise dans le free jazz de John Zorn que dans l'électro de Dan The Automator, dans les PO de Kahada ou dans le hip-hop de Executioners, sa griffe est présente sur plus d'une quarantaine d'albums. Ce boulimique collectionne aussi les groupes, créateur de Mr. Bungle, chanteur de Faith No More, leader de Fantomas et fondateur de Tomahawk, Mike Patton est partout et insaisissable à la fois. Parfois, t'es assis dans les chiottes et t'as une super idée. Ou alors t'es dans le métro et puis tu te dis « Merde, faut que j'écrive ça ». J'essaie d'écrire. Ou tout du moins, j'essaie de travailler sur quelque chose de musical tous les jours. Bizarrement, c'est un peu comme se brosser les dents. Mike Patton est né en 68 à Eureka, petite ville californienne au nord de San Francisco. À 17 ans, il monte avec ses copains de lycée le groupe Mr. Bungle, véritable ovni musical. Quatre ans plus tard, après avoir essayé plusieurs voix, dont Courtney Love, les Faith No More débauchent Mike. Du haut de ses 21 ans, il écrit en 2 semaines les paroles du nouvel album The Real Thing, qui ouvre au groupe un succès international. Sur scène, il ose tout, jusqu'à boire sa propre urine, ce qui ne l'empêchera pas de décrocher 5 Grammy Awards. Alors que les Californiens de Faith No More triomphent, Mike Patton tire sa révérence en 98, préférant se consacrer à des projets plus expérimentaux.